napesi bino mersi bino bandeko nyonso oyo bolandaka genor tv bafidele telespectater na pesi bino mersi mpo na nyonso o bozosala bandeko nyonso oo bolaikaka bavideo na biso o nyonso bopartajaka balie ya ba emisio na biso oy nyonso boankurajaka biso na oyo tozosala na pesi bino mersi parske soki na kosalango te kozala malamu te nyonse oyo tosalaka tosalaka parcqe no savons que vous etes là vous existez voilà pourquoi toyaka de temps en temps mpo na koloba awa ndenge tolobaka boye comme je vousai toujours dit na mboka na biso un journaliste okongo ne seche pas parcque chaque jour ba actualité ezali yango nde esalaka ke toyaka liboso na bino mpo na kosololaka mpo na ko informer bino pandake yo za na ba activité mosusu biso tofuyaka fuyaa uaa fuyaka, fuyaka tusa toza na batelefone toza na bandeko oyo bakontaktaka biso soki nformatio moko ezali apesi alobino ngai nazalaka na mikro te yo mutu ya mikro zaloba eyaka detuko te yango toyaka vrma mpona kosololaa a andeo pona onome aongole ba oyo balingi kongo mponaangoleoyo ba balingi kongo nde toyelakawa Merci beaucoup. Fati accuse William Ruto d'avoir mal géré le processus de Nairobi. La question, c'est la question que nous allons aborder. Je crois que dans l'émission et Mokoyo Elekaki, dans le premier numéro na Lelo, j'avais abordé la question de, de ces processus de Luanda et tendance à William Ruto, yango dans l'émission WANA. Alors, Fati a accusé William Ruto, au a déjà accusé. Il sa est la diplomatie. Le gouvernement congolais a boyaki colaki sa face na Gouvernement congolais a boyaki qui sa. Que William Ruto a poni déjà par ya Rwanda. Tant que vous avez dénoncé, Bango Babando sa la diplomatie. Tolobaki, que William Ruto. Azaz a zanne traité, il n'est pas equidistant. William Ruto Azan a tendance entre Congo, na Rwanda et Yebandaqui. Na banda koloba lobango au atango tokuta kina EAC bien que na kundanaki ngote en train nabishukuna na lakisaki na ba numéro ebelé ba avantages, motivation économique na motivation sécuritaire na la ki ce ki angona na sala sala on a salas, tout ça mais bandeco baiko rouler bisou et to charger la ki bango face parce que les alliances se font et se défont to benga na bango ba kena depuis l'heure kenya a tika na ko se pelaté pour kenya a considéré qu'yangolo quoi humiliation le fait que ba benga na ki felix ayoka ki bango té kenya ndabanda kochate force wana ya c lokoya basekomportaki mabe srterrin bazwaki par ya 2323 kongo achangelaki bango face tobenganaki bandeko wana depuis lors, kenya asepela na eloko wana te wilam routa afashaki suka nango ya nanga AFC, Rébellion et Kriyamaki, Nairobi. Tant que le gouvernement congolais a interpellé qui, le gouvernement Kenya William Ruto, Yemoko, ministre de la communication, porte-parole du gouvernement. Yemoko, président de la République, a répliqué qui Et pourtant, il n'y a pas d'abysseau. Moutoua c'était le porte-parole du gouvernement, Excellence Patrick Mouyaya. Mais pas n'a pas répliqué qui a répondu à Patrick Mouyaya. C'était lui-même, le président de la République, William Ruto. Et la qui déjà que William Ruto, nakedia oyo Kenya, depuis eh, la nuit des temps, il y a ami à Congo. Et là, qui limpidement que William Ruto a eu part à Rwanda. Le gouvernement congolais a toujours diplomatie, à ce cas-là on se prononcé quant à cette question, pour l'acquisaki où il a retourné au Kenya, sima Rwanda. et pourtant, tant Bandi, il y a des processus qui étaient déclenchés. Il y a le processus de Nairobi. Où il a chapeauté l'ancien président kenyan, en l'occurrence, Kenyatta Uhuru. Deuxième processus, il y a Angola, il y a Luanda, où il y a chapoté, et jusque-là, le président Jean Lorenzo, où y a médiateur désigné par l'Union africaine. Mais il y a deux processus, processus où quand même il y inspiré confiance, et un processus où il a, co a chapoté. Najo le réseau pe, azako devier 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 c'est c'est le feu oyo et où debima n'a pas résolution Y'a y a il colloque obasala kisala salaki na luanda tout ça pour n'a qu'trouver kimia na na est Kagame a saboté yango na M23 mais azako s'accrocher plus na processus y'a Nairobi parce qu'ayebike na pays à est il y a des gens qui sont Angola, na RDC, toza ça a mingi na Il y a accroché Mais tant que Kenyatta a président, il y a processus de Nairobi. Il n'y avait pas de problème. Ça a inspiré notre confiance. Mais depuis que Kenyatta Ouru a eu na pouvoir, le successeur est William Ruto, qui remplacer remplacé. depuis lor procesus na e e euh, ya nairobie etambola su malamu te ti tokota na c force wana c eya na kongo esimba te tobengana bango oila marutu afasha bbaekocree f ya nanga nyonso wana na rapela bino pacue mwa je ne soufre pas damnesie narapela bino autrefois À propos de William Ruto, devant les opérateurs économiques kenyans, il y vice-président du Kenya. Dans l'époque, il y a Kenyatta Huru. À de nos chalons, à de danseurs, à de vaillous, à de musiciens, les Congolais ne sont même pas capables d'élever les vaches. Et pourtant, ils ont un espace mastodonte. Menatongo bazola mukadja na kwiti bazola mukadja na babar bazobina biloko ndengue wana c'est William Ruto. Tello comme équipe président na sala ba monsieur Belépone Kolobaki ce monsieur ne m'inspire pas la confiance. Nayeba qui que William Ruto tokosuka nayi place oto suku lelo. William Ruto a mis les Kenyans antipodes avec la RDC. William Ruto, aujourd'hui, il a fait de Kenya un pays adversaire de la RDC. Sous William Ruto. Et pourtant, sous Kenyatta-Huru, nous entretenions de bonnes relations. Nos relations diplomatiques, politiques, amicales étaient vraiment au beau fixe. Mais depuis que Kenyatta n'est plus au pouvoir, William Ruto a floué nos relations avec Kenya. Nous sommes aujourd'hui contents parce que le chef de l'État lui-même l'a abordé. Au lieu d'utiliser la diplomatie, pendant que vous utilisé la diplomatie. Bisho tozomo nango une hypocrisie. Kenya, William Ruto n'a pas déclaré ça sali sali kala teawa. Nabordaki qui est le premier numéro, à jouer par a Rwanda. Wilam à a lobby. Bitumba Oezana RDC. Ce n'est pas l'affaire rwandaise, mais c'est une affaire congolaise. Même devant Joe Biden, Wilam à a lobby. Alors, au regard de tout ça, Bissot est estime que ce monsieur a traité au même titre que Kagame que c'est un ami, tout ça. Nous sommes dans la même structure avec lui, nous devons entretenir de bonnes relations pendant que nous nous estimons comme ça. Eux là-bas ne pensent pas à ce que nous nous passons, ils pensent à autre chose. Aujourd'hui, nous sommes contents d'écouter le chef de l'État lui même en train d'accuser William Ruto d'avoir mal géré. Le processus de Nairobi et d'avoir pris la part du Rwanda. C'est le chef de l'État lui-même qui l'a dit. Nous sommes très contents et dans le même ordre d'idées, le chef de l'État a salué l'engagement du président angolais Jean Lorenzo qui chapeaute le processus de Rwanda initié par l'union africaine il a salué l'engagement du président Jean Lorenzo malgré un a déploré l'hypocrisie de vis-à-vis du processus de Luanda nous nous sommes contents mais il y a Félix a fait reconnaître que William Ruto parce qu'en diplomatie c'est quelque chose. Quand un chef de l'État accuse un autre chef de l'État d'être derrière un adversaire, un ennemi qui nous agresse, en, sur le plan diplomatique, même politique, ça dit quelque chose. Et là, nous avons pris acte. Parce que nous, ce que nous voulons, c'est quoi C'est de citer nos mémoires les adversaires tous les ennemis du congo tout ce qui roule pour le rwanda le gouvernement doit réunir le courage de les citer nommément et là ça va nous permettre de continuer ici à les citer mais quand nous nous citons ces, ces ennemis qui nous qui sont estimés comme ennemis et que de l'autre côté le gouvernement reste tassut vous savez aujourd'hui si les congolais sont derrière Félix Antoine Tshisekedi, dans ce qui se passe dans l'Est, si les Congolais soutiennent massivement les chefs de l'État, si les Congolais partagent la souffrance de Tshisekedi aujourd'hui pour ce qui se passe dans l'Est, parce que c'est lui l'homme le plus malheureux aujourd'hui pour ce qui se passe dans l'Est. Il y en a aujourd'hui parfois qui font leur vie, tout ça, mais Félix a la charge, a une lourde charge de sauver les vies dans l'Est. Il a cette responsabilité-là. Et donc, aussi longtemps que ça continue, il est l'homme le plus malheureux. Parfois, il ne mange même pas les foufou chez lui. Parfois, il n'arrive même pas à dormir, à fermer les yeux. Parce que c'est lui le premier citoyen, c'est lui le commandant suprême, c'est lui le magistrat suprême, c'est lui tout. Mais quand ça barde dans l'Est, quand les Congolais, que lui est censé protéger, sont disséqués dans l'Est, quand il y a les catombes dans l'Est, vous pensez que Tshisekedi, tu là où il est, il dort paisiblement. Est-ce qu'il peut manger vraiment comme ça, jusqu'à sa fin? Je ne crois pas. Voilà pourquoi je vous dis, Tshisekedi tu est l'homme le plus malheureux pour ce qui se passe dans l'Est de notre pays mais si aujourd'hui les congolais ont accepté de porter ce malheur de porter cette charge de partager cette douleur avec Tshisekedi dans ce qui se passe dans l'Est c'est parce que il avait reconnu tout haut que c'est Kagame qui nous agresse le fait pour Fatih de reconnaître, de citer nommément l'adversaire, c'était un pas de géant qu'il avait marqué selon les Congolais. Voilà pourquoi tous nous sommes derrière lui, nous partageons la même douleur, nous attaquons tous ensemble Kagame parce que lui est le premier à le pointer du doigt. Et aujourd'hui, qu'est-ce que dit a pointé du doigt accusateur à William Ruto. Il nous a ouvert un boulevard maintenant. La porte nous est grandement ouverte maintenant. Alors nous pouvons, pour le moment, attaquer William Ruto. Jusqu'à ce que toute l'Afrique voie l'insérer sur la liste des présidents qui ne veulent pas le développement de l'Afrique. Parce que c'est tout ce que nous nous faisons ici. Nous diabolisons Kagame. Nous avons commencé à diaboliser Kagame ici dès le début de cette agression et aujourd'hui, c'est toute l'Afrique qui parle de Kagame aujourd'hui à mal. Il y a des ouvrages écrits. Il y a des doctrinaires aujourd'hui qui parlent de Kagame, qui font des conférences. Aujourd'hui, il y a des thèses qui sont défendues et aujourd'hui, il y a des ouvrages, aujourd'hui, il y a des émissions, il y a des films même qui sont tournés. Aujourd'hui, il y a des documentaires qui portent sur la mauvaise velléité de Paul Kagame. C'est parce que nous, les Congolais, nous nous sommes réveillés. Nous, le, nous les Congolais, nous sommes mis debout. Nous avons compris qu'il ne s'agit pas là une affaire concernant la famille de Tshisekedi. Mais il s'agit de la RDC. Il ne s'agit pas de la famille biologique de Fati. Il s'agit ici de notre bien commun qui nous a été légué par nos pères de l'indépendance. C'est ce bien commun là que nous sommes en train de défendre aujourd'hui, de lutter pour protéger. C'est le Congo. Aujourd'hui, ça a affecté. Toute l'Afrique. Kagame est attaqué partout, Kagame n'est pas l'aise en Afrique. Kagame est menacé partout. Et aujourd'hui, il commence à citer l'Amérique. Il dit, dans son discours de campagne, que vous vous maquisez, vous, vous dites que c'est moi qui pille le Congo. Et pourtant, ce sont des États-Unis qui pillent le Congo à 100%. Moi je, je lutte pour développer mon pays, mais c'est eux qui pillent le Congo. Si Kagame est arrivé à citer les Américains, dans le pillage des minéraux congolais, c'est parce qu'il se ça maintenant mal à l'aise en Afrique. Partout où il part, il est accueilli par les officiels. Il est accueilli par les gouvernements, par les chefs d'État, de, 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 mais la population ne supporte pas Kagame. Contrôlez seulement partout où Kagame passe en Afrique ici. Il était au Sénégal. Il y avait. Nous avions vu ici une vidéo qui, qui, qui avait fait le tour des réseaux sociaux. Dans laquelle les. les, les, les c'était des marabouts. Non, les marabouts, là, c'était, je crois, au Bénin. C'était au Bénin, quelque chose comme ça. Mais c'était des religieux. Ouais, au Sénégal, c'était des religieux qui avaient manifesté leur mécontentement. Par rapport à ce que Kagame fait dans l'Est, qui ne voulait même pas que Kagame se rende dans leur pays, au Sénégal. Pas plus tard que les mois passés, il y, 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 y a encore une autre vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux. Je crois que ça c'était au Bénin, les Marabouts qui s'étaient réunis pour maudire Paul Kagame. Et donc tout ça, ils le font parce que nous, nous l'avions commencé ici, chez nous. Nous avions commencé à citer Kagame. Nous avions commencé parce que Kagame, à l'époque, était comme le nom de Dieu. Vous ne pouvez pas citer Kagame. Il peut vous poursuivre partout, même au Cameroun. Euh, il peut vous poursuivre partout, tout ça, pour vous tuer, en Europe, partout, tout ça. Même aux États-Unis, Kagame peut vous tuer là-bas. On avait peur de Kagame. Mais c'est dit qui a démystifié Paul Kagame. Aujourd'hui, nous pouvons tous parler de Kagame et nous ne sommes pas tués. Nous ne sommes pas. Est mort... Nous sommes encore vivants. Et donc tout le monde a compris que les messieurs que Kabila craignait ici n'avaient pas de dents. Ils n'avaient pas de dents. Ils ne leur faisaient que des intimidations, des grimaces. Mais aujourd'hui, nous avons un civil au pouvoir, le fils d'Etienne du duamulumba et de maman Marte Kassalou... qui a démystifié Kagame en Afrique. Il cite Kagame partout. Et aujourd'hui, Kagame est démystifié. Aujourd'hui, Kagame est déshabillé. Aujourd'hui, Kagame est fragilisé. Aujourd'hui, Kagame n'est pas respecté partout en Afrique. Aujourd'hui, Kagame est devenu moins que rien. Par le fait qu'il a agressé la RDC, un pays souverain dans sa partie Est, et qu'il a tué là-bas, qu'il a violé les femmes là-bas, il est devenu comme un moins que rien. Aujourd'hui, Félix a cité. William Ruto. Je lance un message à tous mes amis, l'armée numérique de la RDC, de l'Afrique. Aujourd'hui, nous devons insérer William Ruto dans la liste des agresseurs de la RDC, dans la liste de, de, de ces chefs de l'État-là qui ne veulent pas le développement de nos pays. William Ruto doit être inséré dans cette liste-là. Nous devons le considérer comme terroriste parce qu'il soutient, c'est lui qui tue au Congo. William Ruto soutient, c'est lui qui massacre les femmes, les mamans que nous nous respectons. Ils sont violés, ils sont disséqués là-bas. Il y a des enfants qui mangent le sexe de leurs parents. Dans l'est, chez nous, ça se passe comme ça. Nous avons des images terribles, horribles. Que nous ne pouvons pas balancer sur nos chaînes. On tue une femme, on prend le sexe de la femme, on les brille là-bas, on les coupe en morceaux et on les distribue à ses enfants, même à son mari. Le corps abandonné là-bas. Et ils sont obligés de consommer ces sexes de leur maman, de leur femme, tout ça. Ça se passe chez nous, dans l'Est. Et qui est derrière tout ça? C'est Kagame. C'est dans l'Est où on a obligé à un enfant de coucher avec, avec sa mère, qui avait, déjà, qui avait déjà atteint 87 ans d'âge. Alors on oblige à son enfant, qui était marié, qui avait sa femme, après avoir violé sa femme en présence de son mari et de ses enfants, et de sa belle-mère, qui est encore vivante. Maintenant, on oblige, et on prend sa belle-mère là, on, on prend la, 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 la maman, on la tue. En présence de ses petits-fils et de sa belle-fille qui venait d'être violée, maintenant on oblige à son fils de violer, de coucher avec ses corps qui étaient déjà tués. Ça se passe chez nous dans l'Est. Et le garçon était à train de coucher avec les corps tués de sa mère. En présence de ses enfants, il s'est déshabillé. On a déshabillé même. La maman qui était déjà tuée, on l'a déshabillée, les gars s'est déshabillé. sa femme est là en train de regarder, ses enfants là en train de regarder, ça s'est passé chez nous ici au Congo. Et qui est derrière tout ça, Paul Kagame? Et qui est derrière Kagame? William Ruto? Qui autre? Mousseveni. Mousseveni de l'Ouganda. Il est aussi derrière. Ce n'est pas moi. Oh. C'est le rapport des Nations Unies qui a cité Mousseveni dans ce qui se passe dans l'Est. Et donc aujourd'hui, nous pouvons estimer que dans ces massacres de l'Est, nous avons Kagame, nous avons William Ruto et nous avons Mousseveni, Mousseveni de l'Ouganda. Je, je pense que le gouvernement finira par citer Mousseveni dans cette histoire ici, parce que je me souviens. L'ancien président de l'Assemblée nationale, je parle ici de Joe Biden, Christophe Mbosoko Diaponga, À son temps, il avait cité Sazambage, Mousseveni, dans ce qui se passe dans l'Est. Il avait même demandé au gouvernement de faire quoi De couper nos relations diplomatiques avec l'Ouganda. Mais je, je, je me pose la question jusqu'à aujourd'hui pourquoi Pourquoi nos relations continuent à être au beau fixe avec l'Ouganda qui renforce les M23 qui nous agressent au Congo. Merci beaucoup, Fatih pour ce courage-là réuni. Nous attendons maintenant que tu cites cite encore Moussé Veny. Nous attendons cela. Mais nous, nous avons déjà commencé à les citer depuis longtemps. Depuis longtemps. Nous attendons maintenant que ce soit officiel que nous soit inséré dans cette liste des agresseurs du Congo. de ue motamba atomboki motamba atomboki nakofunda nakodefere bato na justice be aei ba descenda ya tomas ankara descenda ya lumumba patrie meri amba ye abei ba e abe na justice zambeuie ezwi mpenza pomba waaendo motamba alobi akoboma aame Ah là Alala, là 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 Costa Mutamba, Mutamba l'obit a koboma Kagame, à eh. lobby a koboma Kagame, mais avant Bomaie, Mutamba a saisi la Cour pénale internationale il a saisi le procureur Karim, le procureur pré la Cour pénale internationale pour déférer Kagame devant cette Cour pour tous ces crimes perpétrés au Congo. Nous attendons que Bamor des démarche. Le Rwanda n'étant pas signataire de la charte de Rome, de la Cour pénale internationale, je sais qu'il y aura une procédure qui sera amorcée. Si jamais le procureur déclenche l'action publique euh, contre le Rwanda, je crois qu'il y a une procédure qui sera amorcée. Parce que c'est prévu, Kagame ne fait pas partie des membres de la Cour, mais avec ce qu'il fait, tous ces crimes qu'il a perpétrés dans l'Est relèvent de la compétence de la Cour pénale internationale. Il y a une procédure qui est prévue pour déférer un pays non membre devant la Cour. Moutamba. Alobi, il n'a pas peur de Kagame. Moi, j'aime des jeunes comme ça, papa. Il a dit, écoutez, ça, ce n'est pas la génération de 1970, non, non. C'est une génération de 1980, un peu 1990, oui. L'Afrique, maintenant, est assortie des jeunes. Ce n'est pas nos pères-là, nos vieux-là, tout ça, qui sont déjà fatigués, tout ça, qui veulent toujours utiliser la diplomatie. Même là, il faudrait utiliser un langage clair, manifester les le bol ils veulent toujours utiliser le langage diplomatique parce qu'ils marchent de tous côtés. Mais aujourd'hui, avec la révolution qu'a amené Tshisekedi et les autres présidents du Sahel en Afrique, aujourd'hui, tous les jeunes sont motivés. Nous sommes motivés. Nous sommes contre tous ces présidents-là qui, qui veulent toujours vivre dans l'opulence pendant que nous nous vivons, pendant que les jeunes sont des pendant que les jeunes croupissent dans, dans la misère la plus exacerbée, mais ils sont là, ils roulent carrosse qui coûte 500 000 dollars, pendant qu'il y a des jeunes qui, qui ont des diplômes, des licences dans leur maison, mais qui sont des piétons jusque-là, des evrés, malheureux, qui vivent Ça offisque les jeunes. Moutamba a dit, il a rappelé que l'Afrique aujourd'hui est assortie des jeunes de 1980 jusqu'à 1990. Ce sont ces jeunes-là qui vont amener la révolution en Afrique. Nous sommes là, papa. Nous sommes là. Nous allons amener la révolution dans cette Afrique ici de Lumumba, dans cette Afrique ici de Thomas Sankara. Nous allons amener la révolution ici. Mutamba a dit, il n'a même pas regardé sa casquette, il n'a même pas regardé son titre là ministériel, tout ça. Euh, euh, il n'a même pas regardé tout ça... Moutamba s'est dit... Capable de tuer Kagame... Il dit... Il n'a pas peur de Kagame... Avant que Kagame le tue... C'est lui d'abord... Qui va commencer par tuer Kagame... <laughs> ah, yeah, 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 yeah. Cher ministre... Je suis là... Excellence... Nous sommes des Wazalendo... Nous sommes derrière vous... Nous allons vous accompagner... Dans cette vision là... Pour tuer Kagame... Ça ne va pas nous coûter... Il suffit seulement... Qu'on se mette d'accord... Et qu'on se mette ensemble... Nous allons tuer Kagame. Parfois, les gens n'ont pas compris le langage de Moutamba quand il dit qu'il va tuer Kagame. Mais tuer Kagame, ça peut être parfois par les traumatismes, comme nous le faisons là. Le fait de l'attaquer, nous pouvons le fragiliser moralement. Kagame est déjà vieux, Kagame est déjà au-delà de 60 ans. Kagame est déjà vieux, nous pouvons l'attaquer, l'intimider ici. Nous pouvons le tuer par les traumatismes. Les tensions, tout ça qui peuvent monter ou descendre. Nous pouvons estomaquer Kagame seulement en parlant comme ça, en l'attaquant comme nous le faisons. Mais nous pouvons les tuer. Les gens n'ont pas compris le langage de Mutamba. Les gens pensent que Mutamba va prendre le couteau ou l'arme, tout ça. Lui n'est pas militaire. C'est un juriste. Il est ministre de la justice nationale et garde des sous Il n'a pas l'arme chez lui, il n'a pas... La machette, il ne va pas tuer Kagame avec machette, mais sinon, avec tout ce que nous faisons ici, il a une armée numérique. Nous sommes là, nous attaquons les matin, nous attaquons les soir, nous dénonçons tout ce qu'il fait, et jusqu'à ce qu'il sera fatigué, il sera estomaqué, il aura des tensions qui vont soit monter, soit descendre, les traumatismes, tout ça, et c'est ce qui va tuer Kagame, ça va le précipiter à la mort. J'ai voulu interpréter le langage de... Costa. Je pense que vous avez compris et je vais demander euh à notre caméra humaine de balancer la séquence de Moutamba. Comme ça, nous allons revenir pour clore cette émission. Mais dites à Kagame que c'est moi qui vais les tuer avant maman. Je n'ai pas peur de lui. Et les Rwandais qui sont ici, nous les mettons en garde. Nous ne sommes pas cette génération corrompue, cette génération esclave, c'est notre génération qui est née, c'est la génération des années 80, légèrement 90. C'est notre génération en Afrique, c'est une génération qui est révoltée, révoltée par la misère, révoltée par les souffrances, révoltée par les injustices, les inégalités sociales. Cette génération est l'incarnation de la génération de nos pères d'indépendants des années 60. Lorsque vous me voyez parler, il faut voir ses il faut voir Patrice Emery Lumumba. Je pense que vous avez suivi avec attention, soutenu, la déclaration de Moutamba. c'est-à-dire es Kagame, ce n'est pas avec l'arme, ce n'est pas... Euh, en les piégeant, ce n'est pas avec la machette, les couteaux, non. Tuer Kagame, c'est par les traumatismes, avec les déclarations que nous faisons chaque jour ici. C'est ce qui va tuer Kagame. Il est déjà vieux. Il est déjà vieux, plus vieux. Tous les jeunes sont motivés pour tuer Kagame. Nous allons le tuer. Ne vous en faites pas. Il a beaucoup tué chez nous. La vie de Kagame n'écoute pas plus que la vie de ceux qui meurent chaque jour ici à RDC. Non. C'est un individu comme les autres en dehors de ces titres-là qu'il a tout ça. Merci. Je vous dis sincèrement merci. Et je dis merci à mon équipe technique qui était chapeautée par Balance cet après-midi. Et Caméra Oumene, la Donzela, Tetia, la géante, la Big. Merci beaucoup. Tokutani, après. le numéro, mon